les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Donc on est en Arcadia pour la quête tuer ou ne pas tuer, retrouver Myrine et Brasidas. Donc c'est parti, on y va. On continue notre aventure. Peut-être appeler le cheval quand même pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc on a trois mercenaires à nos trousses, je ne sais pas pourquoi. Avant de commencer la vidéo, j'ai essayé d'annuler la prime, mais pas moyen. Donc on verra bien. J'espère que c'est pas un bug. Attendez, où est le point de quête là? Ah voilà. Ok. Un coffre, ok. C'est là. Je serais contente de revoir. Saucy Pratos, ok. On y va maintenant. On va peut-être devoir laisser tomber le cheval et y aller à pied. Quoique. Ah, il y a un chemin quand même. Es-tu? Moi? Personne. Mais toi, tu es encore plus divine que Brasidas l'avait annoncé. Tu devrais avoir une statue parmi ces arbres. Brasidas? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? La guerrière, il a dit. Cherche la puissante guerrière à la lance brisée. J'ai ajouté le côté divin. Je ne suis qu'une voyageuse. Voyageuse. Et ce n'est pas la seule lance brisée qui existe en ce monde. Et l'aigle dont il a parlé? Quel aigle? Celui-là. Où est Brasidas? Il faut que je lui parle. Bah ça, je veux bien te croire. Et la femme? Tu veux lui parler aussi, non? Attends. Elle te ressemble. Oh, mais c'est la voix dans Immortal Phoenix Rising. C'est le... D'accord. C'est pour ça que Brasidas m'a payé, après tout. Ah mais oui. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je trouve qu'il ne m'a pas payé assez. Ah, ok. Voilà, dégage. Ok, c'est bon. Presque. Voilà. Dis-moi où ils sont, ou je me charge d'effacer ce sourire insolent de ta face de fouine. Il a dit que tu avais un sale caractère. Il avait raison. Dis-moi où est ma mère, ou je t'enfonce ma lance si profond dans la gorge que tu auras une queue en fer devant les portes d'Hadès. Je t'en prie, aie pitié. Parle! Ils sont sur une colline, une falaise au-dessus de TGA. Dis-moi qui t'a payé, hein? C'est payé? Qui l'a fait? Parle! Ou je te pends avec tes boyaux à une branche de cet arbre! L'Arconte, il donne plus pour ta tête que ne pourrait en offrir Brasidas en un siècle! Dis-moi qui est cet Arconte. Je veux un nom. Lagos. Il s'appelle Lagos. Et c'est l'homme le plus puissant d'Arcadia. Celui qui contrôle le grain, contrôle le monde. Tu as mal choisi la cible de tes menaces, Malaka. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Bon allez, on va pas le tuer. J'espère que ça va pas nous jouer des tours par la suite, mais on ne va pas le tuer. Donc on doit retourner là-bas.
Donc on rappelle Phobos. Voilà, viens là. À mon avis, on se rapproche de la fin. Je pense. En tout cas, de l'histoire principale. Ah, là, je récupère. Là aussi. Après, j'ai pas vu peut-être qu'on pouvait se téléporter, mais bon, la distance n'était pas non plus trop éloignée, donc ça va. Sanglier, voilà. Ok, donc c'est par là. Je sais pas trop. Ah oui, ok, c'était par là. Je sais pas s'il y a un chemin. Si, par là, ok. Par contre, j'aurais bien aimé une carte comme dans les anciens Assassin's Creed. En dessous, là. En bas de l'écran. Ça va être pas mal aussi. Les dieux soient loués, tu nous as trouvés. J'ai reçu ton message. Ton messager a de la chance d'être encore en vie. Il t'a trahi, Brasidas. Les membres du culte dont Myrine m'a parlé savaient que tu viendrais et ont dû obliger Lagos à mettre ta tête à prix. D'accord, ok. Donc ça explique les primes alors. C'est pourquoi la tête de l'archonte doit finir sur une pique. Ça enverra un message clair au pantin royal de Sparte. Tâchons d'en savoir plus sur la situation en Arcadia. Il est possible de régler la question de Lagos sans couper trop de têtes. Après ce qui est arrivé au maquignon à Corinthe, la foule exigeait du sang. La violence ne résout pas toujours tout. Quoi qu'il arrive, il nous faut Lagos vivant. Arcadia est le grenier à blé de Sparte, et Lagos veille toujours à ce qu'il soit plein. Cet homme travaille pour le culte de Cosmos, pas pour Sparte. Alors nous devons le libérer de son étreinte. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il en a envie? Les primes et les menaces, ça ne ressemble pas à Lagos. C'est un propriétaire, pas un meurtrier. Allez, on y va. Je suis arrivé à temps. Assurément. Mais il est aussi temps de prendre une décision. Allez, Brasidas. La stratégie a du bon, Brasidas. Merci. Content que tu l'approuves. Désolé, hein, mais... Le sentimentalisme obscurcir ton jugement. Le sort de milliers de Spartiates dépend de Lagos. Sa mort apporterait le chaos. Une ferme située au nord-est de Tegea lui sert de refuge. Retrouve-moi là-bas avant de commettre l'irréparable. Et si le plan de Brasidas échoue ? L'archonte est un lâche, il vit terré aux forces amicones. Tu ne risques pas de rater une telle horreur. Tu peux aller t'occuper de lui, mais méfie-toi, il est bien protégé. Alors nous devons affaiblir ses défenses. Il a des casernes remplies d'hommes et des silos pleins de grains. Ce serait dommage qu'il leur arrive malheur. Ok, donc prochaine mission, affaiblir aller voir ce que prépare Lagos. Bonne chance, mon enfant. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de feu ou de grain. Ok, du coup, autre membre du culte. Très bien. Il en reste plus beaucoup quand même. Du coup, c'est lui là-bas? Je ne sais plus, je crois. Hein. On va aller voir les quêtes. Ok, le culte de l'archonte, toujours pareil. Et là, parler à Brasidas, ok. Et au niveau de la carte... Ok, donc il est là-bas.
Du coup, on va faire ça. Du coup, j'ai pas vu si on pouvait se téléporter. On va regarder. On peut se rapprocher, se mettre ici. Voilà. Ok. On va prendre ça. Ça sera plus... Non mais non, je l'ai loupé. Pourquoi elle veut pas sauter? Il y a un truc qui va pas là. Voilà. J'adore ça, franchement, c'est trop la classe. Et voilà. Hop. Et c'est parti pour un autre membre du culte. Voilà, je m'en fous, j'ai autre chose à faire. À moins que... Non, des fois que ça aurait été un... On aurait pu apprivoiser l'animal. Mais si c'était sanglier, de toute façon, on ne peut pas. Allez. Ah, ouais, là, je sais pas trop ce que je fais. Ah, il y a des trucs là-bas. Cool. On va finir en escaladant. Voilà. Ok, donc on peut peut-être aussi prendre l'aigle pour voir un petit peu. Hop. Donc lui il est plus là-bas. Ça aurait été pas mal d'avoir un animal aussi apprivoisé pour nous aider un peu au combat. Là il y a un passage secret, ok. Oui, il y a quand même du monde là. Ouais. Ok, un coffre. Et là. Ouais. Je ne le trouve pas. Qu'est-ce qui manque ? Ah oui, d'accord, le passage secret. Ah, on n'était pas loin. Dommage. Ok, ça, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, je me demande si on peut pas passer plutôt par ici. Essayer de se rapprocher du membre. Voilà, plutôt par là. Voilà. Il faudrait que j'arrive à le tuer discrètement. Ce qui n'est pas mon fort, la discrétion. Hein, vous le savez. Voilà. Mais avec un peu de chance, il faudrait qu'on arrive à tuer ces deux-là sans trop alerter les autres.
Attendez, je pense qu'on va plutôt faire... Non. Qui c'est qui m'a vu? Non. Pas cool, ça. Non. Dégage. Voilà. Ah mince, il était là, je pouvais le tuer discrètement. Mince, il était venu en plus. Oh, la caméra qui fait des siennes là. Oh là là, on va s'éloigner. Ah, c'est bon, j'ai réussi quand même à le... Nickel, ok, je l'ai eu. Enfin, faut pas que je le crame non plus, hein. En plus, on avait dit à Brasilas qu'on le tuerait pas, puis finalement, on l'a tué, j'avoue. Non, non, pas de mercenaires, s'il vous plaît. Est-ce que je peux payer la prime? Ah, cool, je peux. Nickel. Alors, j'ai payé la prime, mais pourtant, il y a quand même... Ah, voilà. Nickel. Ok, donc ça c'est bon, on peut s'en aller. Je vais pas faire le fort, hein. Ça va prendre trop de temps. Voilà. Alors, là-bas, ok. Sauf que, attendez, par où je vais passer? Ah, il y a un autre membre là-bas, hein, quand même. Ce serait bien que j'arrive à le tuer aussi, lui. Deux pour le prix d'un. Faudrait que j'arrive à aller là-bas du coup. On va essayer de passer, voilà, plus sur le côté. En fait, lui, il est plus par là. Voilà. Il faudrait que j'arrive à tuer au moins celui-là, comme ça on aura tué deux déjà. Ok, il est pas dans le fort lui, d'accord. On va peut-être pas prendre le cheval parce que finalement on se rapproche déjà, donc c'est pas la peine. Donc eux sont là-bas, pour la quête principale, mais j'ai bien envie de tuer celui-là aussi. Ok, bah je vais te laisser te débrouiller avec l'ours, hein. On se casse. Quoique, ça me fera un animal apprivoisé, voilà. Enfin, s'il me tue pas avant... Ah, encore un peu. Mince, je l'ai pas eu. Si? Non, je l'ai pas eu. Voilà. Ok. Finalement, il est loin quand même, hein. Voilà. Ok, ça va, il nous a pas attaqué, lui. Alors, normalement, il est tout seul. Parfait. Ah, il a un ours aussi, hein. Voilà.
laisse les deux ours se battre entre eux, voilà. Nickel, il y a des compétences, franchement, je les adore. Allez, non. Il se défend quand même pas mal, hein. Voilà. Ouais. Je voulais confirmer l'assassinat, mais il y a l'ours qui me bloque le chemin. Voilà. Cool, et de deux. Une pourriture de moi, et ben voilà. Ok. Du coup, on va continuer la quête. On va aussi regarder du coup les membres. Voilà. Nickel. Donc là, bien sûr, le frère, Deimos. Ici, on a un indice. Ça commence à se préciser, plus que 3. Et ici, plus qu'un. Nickel. Franchement, on a bien avancé. J'ai fait une partie en dehors des vidéos hein, pour aller plus vite. À niveau 65, il me semblait bien avoir entendu la petite musique. Alors, où est la quête? Je ne vois plus le... Ah, c'est là-bas, ok. Je vais devoir laisser tomber le cheval parce que là, hein, voilà. J'ai pas pris le chemin en fait, j'aurais dû. Allez hop, on va escalader tout ça. J'avoue que ouais, une carte ça aurait été pas mal, mais pas la grande carte dans le menu, vraiment une petite carte comme ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Ça permet de pas toujours aller dans le menu justement et de se guider. D'être guidé un petit peu au niveau des routes et tout. Ok, nickel. Je suis là. Il est mort. Voilà qui complique les choses. Oui, bah j'ai pas pu résister. C'est simple, au contraire. La gosse a été un ami fidèle. J'aurais dû être là. Il était lié au culte, voilà. Tout à fait. Brasidas, cet homme a cessé de mériter ta loyauté à l'instant où il a rejoint le culte. Tu exécutes le maquignon en public en dépit de mes conseils, et maintenant tu assassines la gosse. Si tu étais sous mes ordres... Ouais, mais on ne l'est pas. Eh bien, tu ne le serais plus. Je ne suis pas les ordres, moi. Je fais ce que j'ai à faire. Exactement. N'en parlons plus. J'imagine que tu voudras apporter sans tarder la nouvelle à Sparte. Tu as raison. Nous avons fait ce que nous pouvions. Il est temps d'aller à Sparte. Oui, il est temps de rentrer. Irine... Tu es toujours aussi déterminé. Je suis certain que tu retrouveras bientôt ton foyer. La mort de Lagos impose de prendre des mesures pour approvisionner Sparte. Arcadia ne craint plus rien désormais. Et la prime a été levée. Nous pouvons voyager sans trembler. Alors, on reprend la route. Ok. Ah super, la vue est jolie. Petite photo. Voilà. J'en profite. Ok, alors du coup, quête principale. Ok, bah on y va. Festivité sanglante. Alors du coup, c'est par où? Ah oui, 3000 quand même. 3000 mètres, ok. Est-ce qu'on peut se téléporter? Je vois pas le point de quête, c'est normal. Ah, là-bas, ok. On va se téléporter là. Ok, alors. Par là-bas, très bien, voilà. Hop. Petit saut de la foi. La chasse,
deux à peine. Eh ben, on aura bien avancé aujourd'hui. Tuer deux membres du culte, avancer la quête principale. Pareil, je sais pas trop où on se situe au niveau de la quête principale, mais à mon avis, on se rapproche de la fin. Ok, c'est par là, on y arrive. Alors, est-ce qu'on va nous rendre notre maison ou pas ? Pour affronter les rois. Tu es prête à réclamer les terres de notre famille ? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre le roi vendu au culte. Tu fais la fierté de ta mère, Cassandra. Mais es-tu sûre d'avoir assez de preuves pour le confondre ? Ben, je sais pas. On va dire oui, mais je suis pas sûre. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle des trônes. D'accord, je t'y retrouve. Fallait vraiment des preuves, c'est une quête ou... Je me souviens pas. Pourquoi ce retard ? Désolé pour cette attente. Tu as convoqué les efforts ? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. Alors... On va mettre ça. J'ai rapporté à Sparte une couronne. Mais j'ai dû participer au jeu et la gagner moi-même. Très bien. Mais qu'est devenu Testiclès, notre champion de Pancras ? Il a eu un accident marin avant d'avoir pu concourir. Avec un requin. Les jeux sont secondaires. Qu'en est-il de la Béotie ? Stentor et moi avons défait les forces athéniennes. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts ? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations ? Contre qui ? Ah oui, d'accord. Ok, je devais vraiment prendre des preuves. Bon, bah écoutez, je pense plutôt à lui. Archidamos, Sparte va devoir se débarrasser de toi sans tarder. Tu as perdu l'esprit ! Comment oses-tu proférer de telles accusations en présence des rois ? Patience, Archidamos. Présente tes preuves. Archidamos est un membre du culte de Cosmos et un traître envers Sparte. Le culte de quoi ? J'espère qu'on a raison. C'est grotesque ! Quelle preuve fallacieuse prétends-tu avoir ? Bah je sais pas. La preuve est juste là. Vous savez qu'il est coupable. Nul ne peut convoquer les efforts pour des futilités. Un tel manque de preuves est une injure au trône de Sparte. Sans parler d'une perte de temps. Ok, succès déverrouillé, d'accord. Faire un exemple de l'accusatrice, afin d'éviter de telles inepties. C'est ma faute. C'est moi, sa mère, qu'il faut châtier. Nous vous avons permis de vous racheter. Nous vous avons reçu en audience royale. Et c'est ainsi que vous nous remerciez. Qu'en penses-tu, Archidamos ? Cassandra et Myrine des Ashgades, vos noms sont maudits. Puisse la Cryptéia vous traquer et les Zilotes racler la chair de vos os. Très bien. Belle décision. Mais forcément, si c'est des membres du culte, hein, en même temps. Mais je pense qu'on aurait choisi l'un ou l'autre si c'était pareil, à mon avis. Masque ou de cap noir pour te sauver cette fois. Tu étais là-bas ? Ah, je m'en doutais. À Delphes ? Je le sentais pas, moi, lui. Et à mon avis, ouais, qu'on aurait choisi l'un ou l'autre, c'était pareil. Je pensais qu'on allait se battre, mais non, pas tout de suite. Posanias a révélé sa vraie nature avant qu'on me fasse sortir. Alors c'est lui, le roi vendu. Il faut s'occuper de lui le plus tôt possible. Je vais le faire. Quand ce sera fait, retrouve-moi chez nous. Avec plaisir. Arès m'a choisi pour mener les Spartiates à la gloire. Ok. Il ne peut y en avoir qu'un. Voilà. Très bien. Le
roi Pausanias appartient au culte de Cosmos. Je vais devoir le tuer moi-même. Et bah ça fera 3, comme ça on aura tué 3 dans la vidéo. Par contre, ah oui, la prime, super. Oulala, ça craint. Ça pareil, je pense que c'est lié à la quête, à mon avis. On ne peut pas payer la prime. Ah si, on peut. 20 000 par contre, ça fait cher. Ok, nickel. J'ai pu la payer, tranquille. Par contre, je vais faire ça, comme ça, hop. Ce sera plus pratique. La nuit, j'ai un peu de mal, j'avoue. Ok. Alors. Mais, viens là. On perd plus de temps à appeler le cheval que d'y aller à pied. On s'en fout, voilà. Ok, alors, où te caches-tu? Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de renforts. Je pense pas, à mon avis, il devrait être tout seul. Ah non, il est pas tout seul. Mais ça devrait le faire. Non, je crois qu'on est 65, donc ça devrait aller. Voilà. Et attendez, est-ce que je peux pas faire... Hop. Ça, j'adore aussi. Voilà. Ok, 2 de moins. Va te cacher, c'est ça. Ok, il nous a vu, voilà. Mais c'est bien, on lui a bien réduit sa vie comme ça. Voilà. Ok, nickel. Voilà. La caméra, voilà. Ok. Ça devrait aller, hop. Nickel. Et de 3. Voilà. Parfait. Mais il ne reste plus que 3 membres. Et lui, c'est le, voilà, c'est le chef. Hein, donc finalement, hein, voilà. Voilà, bien avancé, je trouve. Alors, oui, la quête principale, c'était par où? Ok.
Alors, du coup. Cassandra, tu as été condamnée à être traquée. Je t'ai accusée à tort. C'est Pausanias qui nuisait à Sparte et à ses dépendances. Quelle honte! Après m'avoir accusée, tu te retournes contre Pausanias? Où est-il? Comment dire? C'est sans importance. Ça en a, à mes yeux. J'ai trouvé la preuve de son appartenance au culte de Cosmos. Une preuve irréfutable. Cette lettre est de la main de Pausanias en personne. Elle indique l'avancement de leur projet à Sparte. Quel est ce culte de Cosmos? Tu ne cesses de le mentionner encore et encore, comme si je devais le connaître. C'est une société secrète dont le but absolu est très simple. S'emparer du pouvoir. Il profite de cette guerre pour renforcer sa position. J'ai peine à croire que Pausanias ait pu duper Sparte pendant tout ce temps. Nous avons régné côte à côte des années durant. Je vais demander aux efforts de confirmer tes dires. Mais si c'est vrai, tu mérites de recouvrer ton statut de Spartiate. Et ben voilà. Bien sûr, votre maison familiale vous sera rendue. Merci. Encore une chose. Oui? Si l'idée te vient de diriger Sparte, permets-moi au moins de t'affronter au combat. Mon roi, je ne suis pas faite pour régner. Il n'est plus là. Quoi donc? Il y avait un crâne ici, un crâne de lapin, ton premier trophée. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il pris? Une seule personne a pu l'emporter. Nikolaos. Cette maison est restée longtemps inoccupée. De nombreux voleurs ont pu y passer. Mais qui aurait pu s'intéresser à un vieux crâne de lapin? Ouais, elle a pas tort. Il était en évidence. Ils ont pu croire qu'il était précieux. Peut-être, oui. Je ne dérange pas, j'espère. Brasidas, viens, entre. Cela fait plaisir de vous revoir chez vous. Et ça fait du bien d'être ici. Tu n'es pas à l'entraînement? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois me rendre à Pylos au plus vite. Je crois que tu ferais bien de m'accompagner. Et ben voilà, prochaine mission. Je serais ravi de te rendre service. Qu'est-ce qui nous attend à Pylos? La gloire, bien sûr. Les Athéniens repoussent les Spartiates en ce moment même. Une telle perte serait un rude coup pour Sparte. Je dois l'empêcher à tout prix. On dirait que tu doutes de l'ardeur des guerriers spartiates. Ils sont toujours aussi robustes. Mais ils affrontent un pouvoir dont ils n'ont aucune idée. Tu parles de Deimos? Oui, si l'on en croit les rumeurs. Une force de la nature dans l'enveloppe d'un mortel, et à laquelle aucun soldat ne résiste. Si Deimos est à Pylos, notre devoir est de l'arrêter. Je t'attendrai au navire, mais fais vite. Chaque instant perdu coûte la vie à un spartiate. Alexios est à Pylos. Tu dois le ramener, Cassandra. Le ramener? Nous avons retrouvé notre maison. Nous pouvons redevenir une famille. Il n'est pas trop tard. Je ferai ce que je pourrai. On va ouais, voilà, on va faire ce qu'on peut, j'allais le dire. Rien promettre. Je t'en prie, ne dis pas ça. Il a passé trop de temps au culte de Cosmos. J'ai peur qu'il soit perdu. Mais cela ne doit pas nous empêcher de tout tenter. Et si je ne parviens pas à le sauver? Alors nous aurons essayé. Nous l'avons cru mort pendant si longtemps. Je refuse d'abandonner. Je ferai mon possible. Bon, il faut que je parte pour Pylos. Sois prudente, Cassandra. Ok, et ben nous on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, enfin si le chasseur de primes veut bien ne pas... Voilà, hein, on va payer la prime avant. Voilà. Et nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !